Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi maillot blanc. Après mes échecs successifs dans ces tentatives de défi maillot blanc avec Kelderman et Adam Yates, aujourd'hui on va le tenter avec le jeune grimpeur sud-africain de la MTN Kubeka, à savoir Mentes. Et donc on dit jamais 203, donc j'espère que ça ne va pas être encore un échec, bien que quand on regarde les statistiques de ce jeune grimpeur sud-africain, on se rend compte qu'il est très proche quand même d'Adam Yates, hein, avec la même note en montagne, 78. En vallon, en accélération, il est peut-être un peu meilleur, il est meilleur puncher qu'Adam Yates, ça c'est sûr. Sinon, au niveau des pavés, là par contre, il est plus faible, hein, je crois. Je ne sais plus exactement comment était Adam Yates, donc ça risque d'être encore très délicat à gérer. Mais bon, on va le tenter, hein, avec ce jeune grimpeur, et en espérant avoir de meilleurs résultats que sur mes deux tentatives précédentes. Donc je vous propose la première partie de ce Tour de France, et on se retrouve pour un débriefing après à peu près la moitié des étapes qui composent ce Tour de France. Dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, c'est le grand départ du tour. Reste concentré. Le parcours n'est pas très difficile, mais il y a quelques virages où il faudra freiner. Je te reviendrai quand tu y arriveras. De la montagne. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente et devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de Huy et de ces fameux passages à près de 20%. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il est en train de se faire décramponner.
Bonne nouvelle pour le général. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Encore 500 mètres. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Et c'est parti. Les puncheurs vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Une passe à l'offensive.
prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Encore un kilomètre et la décision n'est toujours pas faite. Qui va l'emporter aujourd'hui? Allez Sylvain! Allez, allez, allez les gars! Vas-y Thomas! Voici le vainqueur de l'étape, Rennes Mur de Bretagne. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Les gars, le chrono est assez long. Ne partez pas trop vite car la bonne finale est difficile. Si vous êtes cuit avant la fin, ça sera compliqué de faire un bon temps. De l'arrivée. Un homme est seul en tête désormais. Parviendra-t-il à s'imposer? Avec moins de 30 secondes d'avance, rien n'est moins sûr. Allez, plus vite. Venga, vamos. Anda.
Plus que 2 km avant l'arrivée. La victoire semble maintenant acquise pour l'homme de tête. Ça attaque en tête du peloton. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Thank you.
Et bien voilà, après la moitié de ce Tour de France, on voit que finalement ça se passe plutôt pas mal hein, avec Mentes, puisque déjà on a affaire à un Thibaut Pinot un petit peu moins impressionnant que sur mes deux tentatives précédentes de défi maillot blanc avec Kelderman et Adam Yates. Et donc ça nous arrange bien, puisque on arrive à être bien placé là avec Mentes et aborder la deuxième partie de ce tour avec un peu plus de confiance que sur les fois précédentes, bien qu'avec Kelderman j'étais maillot blanc hein, à peu près à ce même niveau de la course. Mais là, une des bonnes surprises fut les pavés, comme vous l'avez peut-être vu. J'ai géré vraiment avec parcimonie, enfin parcimonie, c'est pas le mot, mais le mot exact, mais j'ai vraiment géré tout doucement ma barre d'énergie pour l'économiser au maximum tout au long de l'étape sans me préoccuper de ceux qui partaient. Et puis ça a craqué devant, hein, et particulièrement les jeunes comme Thibaut Pinot. Donc les pavés que je redoutais se sont plutôt bien passés. Et ensuite on a eu de bons résultats hein, avec des victoires d'étape aussi. Donc c'est plutôt une bonne opération pour le moment, cette première moitié de tour pour ce défi maillot blanc. Et j'espère qu'on va pouvoir bien assurer aussi sur la deuxième moitié de ce tour avec bien évidemment l'enchaînement terrible des quatre étapes alpines. Mais bon, on n'y est pas encore. Il y a aussi des étapes de vallon sur lesquelles il va falloir bien figurer vu les qualités de puncher de Mentes. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer sur notre lancée et enfin réussir pour une première fois ce défi maillot blanc. Je vous dis à plus tard.